cette première mi-temps ressemble étrangement à celle de Copenhague, hein, où par notre intensité défensive, on récupère des ballons et on monte les balles, jeu rapide. Donc plutôt intéressant. Et donc on arrive quand même à la mi-temps avec plus 5, je crois. Bon, c'est une équipe qui se veut être très ambitieuse, qui se veut être leader. 5 buts à la mi-temps, normalement, le match devrait être plié. C'est qu'on n'a rien lâché, on n'a rien lâché jamais, même à moins 5 à la mi-temps, il y avait deux options. C'était soit on avait la balle déjà, donc c'était bien, soit on marquait tout de suite et on revenait petit à petit dans le match et on avait une chance, soit on prenait l'eau tout de suite et à ce moment-là on savait qu'on les reverrait plus. Le début de deuxième mi-temps très fort, histoire d'essayer de revenir dans le match. Ça marche bien au début et puis on revient quand même, on repart à plus 6 assez rapidement. Et même à plus 6, qui est quand même le plus gros écart, à moins 6, pardon, qui est quand même le plus gros écart du match, on lâche pas. Je trouve qu'en deuxième mi-temps, alors qu'on a quand même des occasions nettes de, on a, je crois, 22-16, des occasions nettes de creuser un écart ou du moins de maintenir cet écart et de gagner le match. On se met tout seul dans des situations pas possibles, on attend notamment des tirs en contre-attaque, on sent un ensemble de tirs. Des exclusions de minutes. Donc, on se met un petit peu en situation face à une équipe dont on savait qu'elle était toujours très accrocheuse, très vaillante, très tactique. Il y a des bonnes joueuses, il y a des bons coachs. Voilà, et on s'en sort bien à la fin pour cette mort qui est posée et qui nous permet. Ça fait 5 jours que je dis aux filles qu'on va gagner aujourd'hui, parce que je le sens, parce que j'aime ces matchs-là. Et on aurait dû le gagner. Voilà, je viens de faire la plus grosse connerie de ma carrière d'entraîneur en posant le temps mort à 8 secondes de la fin alors que Chloé était presque toute seule en contre-attaque. Je ne l'ai absolument pas vue. Donc voilà, et si j'avais vu qu'elle était en position de tir, évidemment, j'aurais pas mis le temps mort. Mais voilà, quand on a un peu la tête à autre chose, et ben voilà, donc ça nous coûte la victoire parce qu'on l'avait dans les mains. On n'a pas perdu le match non plus, hein. On n'a pas perdu le match. Alors que ça fait quoi? Ça fait que Metz va certainement dû gagner ce soir et donc on passe derrière, mais il me semble qu'on n'a pas perdu, qu'on est toujours deuxième et qu'on est en phase régulière et puis au play-off. Donc voilà, c'est surtout la déception de la manière dont ça se passe, quoi. Parce que je pense que ce soir, il y avait quand même une 22-16. Je ne sais pas pourquoi on se prend les pieds dans le tapis. Ouais, c'est vrai que voilà, c'était un match difficile, on a longtemps été devant et voilà, c'est vraiment regrettable. Qu'on finisse un match nul et encore, je pense que voilà, encore sur un dernier tir, heureusement que Philippe a fait l'arrêt. On ne peut pas se contenter d'un match nul, voilà, on veut gagner tous nos matchs. Et ce soir, voilà, je pense qu'il y avait quand même la place de passer. Donc voilà, faut qu'on gagne samedi, c'est important à domicile voilà, de commencer à gagner la Ligue des Champions. Ben ouais, on a eu quelques immanquables qu'il fallait marquer, malheureusement. Un temps mort, je pense, à la fin, posé un peu trop vite, parce qu'on avait Chloé Bouquet qui était en contre-attaque, qui pouvait peut-être marquer le plus 1. Et voilà, après, avec le stress et l'envie et tout ça, ben, ça donne ce résultat-là, mais c'est vrai qu'on pouvait gagner ce soir. Ouais.